Madame le maire, mon délégué au niveau national et le représentant personnel du secrétaire général, le conseiller au gouverneur et le représentant personnel du gouverneur de la province, avec mon délégué du ministère de l'éducation en chef de province, chez le membre du comité provincial, le reste de notre boudou, et le membre du comité provincial, différents invités à vous dire les invités respectifs, preuve de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2020. Avant toute chose, permettez-moi de m'acquitter de mon humble devoir, celui de rendre grâce à Dieu, qui est le maître de temps et de circonstances, et de le remercier pour sa protection particulière à faveur de notre province, Nord-Kivu. En effet, sans son intervention, l'année scolaire 2019-2020 n'aurait jamais abouti compte tenu des difficultés que nous avons traversées. J'ai un rappel entre autres l'insécurité récurrente qui occasionne le déplacement massif de la population, l'arrêt des cours suite à la pandémie de Covid-19, la paupérisation de la population locale suite à tout ce qui est déjà cité. L'intéressé de remerciement solennel au gouvernement de la République démocratique du Congo pour l'organisation des évaluations nationales à temps record. Je félicite les parents qui sont des partenaires permanents dans la promotion et l'éducation de leurs enfants. À nos côtes, venus de Kinshasa et de Goma pour encourager nos enfants. De penser enfin à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué d'une façon ou d'une autre à l'éducation de la jeunesse et qu'ils prouvent ici mes remerciements les plus sincères. Chers candidats, la pandémie du Covid-19 est là depuis le 10 mars 2020 dans notre pays et elle a causé beaucoup de morts sans pour autant épargner notre pays. Ainsi donc, durant les 4 jours de passation des épreuves, vous devez respecter les règles d'hygiène en vous lavant les mains avant d'entrer dans vos salles respectives, ne pas se serrer les mains, le prélèvement obligatoire de la température de toute personne à l'entrée au centre de passation des examens. Certes, cette année scolaire n'était pas facile, avec beaucoup de perturbations qui ont, d'une part, fait réaménager les calendriers scolaires sur toute l'étendue du territoire national, d'autre part, influencé négativement sur le programme scolaire. Mais ces épreuves sont déjà là. Donc, il n'y a plus question de passer à cela. Durant les 12 ans, pour les uns, et plus pour les autres, vous avez eu suffisamment de matière, vos parents, éducateurs et les autorités tant scolaires que politico-administratives, et même nos hôtes qui sont venus pour vous encourager, toutes ces personnes attendent de vous la réussite. Celle-ci, pour les uns, permet d'entrer dans la vie professionnelle et constitue pour les autres la clé de cette études supérieures et universitaires. Ayez donc le courage, soyez tranquille, respectez les consignes et gérez bien le temps. Comme ce matin, nous avons attendu dans votre cathique, j'étais vraiment béni. Vous avez dit ceci, je serai couronné dans 4 jours. Amen. Hein? Je serai couronné dans 4 jours. Ainsi Jésus vous dit, dans Jean chapitre 2. Permettez-moi encore de vous présenter la nutrition de son excellence, monsieur le gouverneur de province, vous adresser ses encouragements et ses félicitations pour qui participez aujourd'hui à cette session. Grande et majeure de me retrouver parmi vous ce jour pour participer au lancement officiel de la session ordinaire
de l'examen des temps du jury national des cycles courts, édition 2020, organisé au centre Boutembo 7, et plus précisément au lycée Boutembo, conformément au calendrier scolaire réaménagé par le ministère de l'EPST, après la levée de l'état d'urgence sanitaire décrété par le chef de l'État suite à la pandémie à coronavirus. En effet, pour le développement de tout pays, l'école joue un rôle très important. Celle-ci est une institution où la communauté, les parents, emploient leurs enfants pour acquérir des connaissances, des techniques en vue de préparer les mieux-être de ces derniers. C'est un endroit où les enfants modèlent leur caractère et individualité en vue de devenir utiles et productifs en tant que membres de la société. Autrement dit, l'école est un formidable laboratoire pour des idées nouvelles et un des lieux privilégiés de formation des futurs citoyens, les acteurs des nouvelles. Ces évaluations de portée nationale que nous lançons, c'est le 17 septembre 2020 et la 54e session à l'examen classé sous les signes de l'unité et de la fierté nationale. Les listes opérationnelles de nos trois provinces éducationnelles renseignent que sur l'ensemble de la province du Nord Kivu, 60 730 candidats, dont 21 772 filles du cycle général, normal et technique, ainsi que ceux du cycle court professionnel aligné dans 173 centres participent actuellement à cette session selon la répartition suivante. Le Nord Kivu avec comme siège comme 19 000 candidats répartis dans 67 centres, y compris celui de Kigali, dont 8 885 filles, soit 47%. Le Nord Kivu avec comme siège du Tembo, 26 393 candidats répartis dans 69 centres, de 12 887 filles, soit 49%. Et enfin, le Nord Kivu 3, avec comme siège Waikale, 15 337 candidats, alignés dans 39 centres, dont 5551 filles, soit 36%. C'est l'occasion pour moi de féliciter tous les membres du comité provincial de loi de l'examen des temps pour avoir mis toutes les batteries en marche afin d'une bonne organisation technique et matérielle de ces épreuves et de leur sécurisation au maximum. Aux parents d'élèves, nos partenaires privilégiés, toute la reconnaissance et les encouragements pour les multiples sacrifices consentis en faveur de la formation de nos enfants pour accompagner le gouvernement tant national que provincial, sans oublier l'appui des autres partenaires techniques et financiers de notre secteur. Je me dois également reconnaître le travail de Guy Lafleur, abattu par les enseignants, ces héros dans l'ombre, qui ont assumé avec brio l'encadrement de nos chers finalistes durant leurs études partant du niveau maternel, primaire, au niveau secondaire, à défi des conditions nous imposées cette année scolaire par la pandémie à coronavirus. Qu'ils reçoivent nos encouragements à travers les gestionnaires et leurs syndicalistes ici présents. Très chers finalistes, candidats, vous êtes à l'honneur ces jours. Partez du président de la République démocratique du Congo, des élus du peuple, de son excellence, monsieur le gouverneur de province, des membres de ce gouvernement, des responsables et différents services, du personnel de l'EPST, y compris les enseignants, en passant par la société civile et tous les parents.
sous nos yeux reste braqué sur nous. Car nous sommes conscients que le développement du Congo, fort, uni, prospère et émergent, auquel nous aspirons, ne peut être possible que grâce à vous. Vous êtes l'espoir et l'avenir de notre pays. À travers les évaluations périodiques, semestrielles et annuelles, vos enseignements vous sont suffisamment préparés à affronter ces épreuves avec succès. De même, les questions qui vous seront posées ne sont qu'une émanation du programme national de l'enseignement. Voici donc, très chers enfants, qu'une aubaine vous est offerte et qui vous ouvre la voie à l'enseignement supérieur et universitaire, à partir de laquelle vous pourriez planifier l'avenir avec confiance. C'est pour dire qu'il n'y a rien de neuf ni de difficile. Parfois, les questions, les interrogations ou examens passés à l'école paraissent difficiles par rapport à celles que vous allez bientôt affronter. Chers élèves, est-ce que vous êtes en forme? Vous êtes en forme? Mais vous avez déjà fatigué avant même de commencer. Êtes-vous en forme? Ok, merci beaucoup. On n'aura pas à prendre tout le temps. On aurait conseillé les représentants personnels du gouverneur. Chers membres du comité urbain de sécurité, chers inspecteurs et responsables des structures de nos institutions ici présents, nous sommes les plus heureux de prendre parole ce jour où on est en train de lancer cette édition sous cette période de pandémie et que cet honneur, parce que seulement nos élèves ici présents ont la chance, et cette chance-là qui a été voulue par l'autorité nationale à la personne de son excellence le chef de l'État, président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, qui malgré tout il a promis que nos élèves et nos enfants auraient à présenter ces examens et qu'aujourd'hui il l'a fait et que nous sommes témoins de cette évaluation. Quelques conseils seulement qui sont centrés autour de quelques trois points ou quatre. Le premier, c'est d'abord demander aux élèves qui vont participer de pouvoir être sur eux-mêmes. Étant donné qu'ils étaient nombreux, en commençant par la première année primaire, jusqu'à ce jour, nous avons 12 ans, il y en a ceux-là qui sont restés parce qu'ils n'ont pas pu réussir, mais eux, devant nous, sont parmi les rares qui ont eu à exceller et de se retrouver devant cet exercice aujourd'hui. Et que pour ça, vous devez être sûr de vous-même, vous allez réussir et c'est ça notre vœu. Un autre point de conseil, c'est que cette période doit nous interpeller. Il faut éviter d'échouer, il faut vous concentrer, parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas eu le temps d'être ici, parce qu'ils n'ont pas eu les moyens financiers pour les frais scolaires. Et que, aux efforts de nos parents, grâce aux efforts aussi de la bénédiction de Dieu, vous êtes parmi les rares qui se retrouvent devant ce concours. Et que pour ça, il faut vraiment vous concentrer pour produire des résultats positifs. Enfin, soyez sûrs que la République compte sur vous. On est en train de vieillir et nous devons nous rassurer. Il y a la relève qui est là. Et c'est vous qui allez nous remplacer.
et c'est vous qui allez prendre ces responsabilités, et c'est vous qui allez encadrer vos cadets qui sont derrière. Et que pour ça, vous devez porter la responsabilité, vous devez porter la charge de l'avenir de notre pays. Le pays compte sur vous. Voilà pourquoi on a abandonné tout ce qu'on avait comme occupation pour se retrouver ici devant vous, afin de vous encourager. C'est en ces mots que nous allons procéder à l'ouverture des malles, parce qu'il est déjà 9h05, on est presque, on vient de dépasser l'heure prévue, et que vous devez commencer le travail directement. En attendant, au nom de tout le monde, de tous ceux qui nous ont accompagnés, nous vous souhaitons une bonne chance, une bonne réussite, 100% réussite. Oui. Voilà, vous venez de vérifier, hein, les mains sont hermétiquement fermées, et que si on vous a permis, c'est parce que et les cadenas sont là, et les mains sont vraiment, il y a des fils qui bloquent. La technique entretient un peu de musique, un peu de musique. C'est vraiment plastifié. Ok. On va commencer à remettre. Chers élèves, vous nous pouvez déjà aller nous aligner devant nos différents. Mutembo 2. Mutembo Mingo. Mutembo 4. Lycée Mutembo. Mutembo 8, Massikiliza. Chers candidats, nous disons dépêchez-vous pour votre travail et 100% sûr.
Je réponds au nom de Kasoki Lukambo Sylvie. Vous êtes? Je t'étudie à l'Institut Malheur, je fais la nutrition. Oui, vous venez à peine de terminer avec votre premier examen, l'épreuve de l'examen d'état. Dites-nous comment ça s'est passé. On venait de terminer l'examen. Vraiment, l'examen s'était passé très bien. Je pense que tout le monde va réussir. Il y a une question que vous pouvez avoir à la tête et à laquelle vous avez répondu. Moi, je peux en avoir. C'est par exemple quelle question? On m'a demandé si la date du 1er juin 1885, si ça s'est installé dans quelle capitale. J'ai répondu que c'était au Balapala. La prochaine journée de demain, qu'est-ce que vous promettez faire? Moi, demain, on aura tous les cours d'option. Chez vous, quels sont les cours d'option? Il y a diététique, économie, TC, enquête et entrée. Vous êtes déjà prêt à affronter ces examens? Oui, je suis prête. Merci. Boukanzur Charmande, élève de l'Institut Malheur, option nutrition. Comment tu as trouvé l'épreuve d'aujourd'hui? L'épreuve d'aujourd'hui, c'est bien. Il y a au moins quelques matières que vous avez déjà étudiées? Oui. Par exemple? Le climat. Hein? L'une des questions qu'on vous a posées? On nous a posé des... La question que tu as retenue... C'est tout qui a été facile pour vous? Oui. Je viens d'oublier. Allez-vous faire demain? Oui. Qu'est-ce que vous allez faire demain? Demain, on aura des cours d'option. Merci. Bonjour, cher ami. Bonjour, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Appelez-moi Kakule Sekanandi Joël, élève à l'Institut du complexe scolaire Boulamba. Vous faites quelle section? Section nutrition. Comment vous avez trouvé l'examen d'aujourd'hui? L'examen d'aujourd'hui s'est passé très bien. On suppose qu'on a posé peu de questions, on suppose que tout va aller bien. Mm-hmm. Est-ce que vous espérez à la réussite aussi? Oui, vraiment je suis sûr avec la réussite concernant les questions qu'on a posées. Et vous avez passé quelle épreuve aujourd'hui? Aujourd'hui nous avons passé l'épreuve de géographie, histoire et civisme, donc les cours de culture générale.